Madame Egal. Pas d'une question, mais simplement d'un commentaire. Donc, ce qu'on comprend dans le nouveau protocole, c'est qu'au lieu de 35 jours de congé et 6 jours de RTT, ils ont donc, ce qui vient d'être rappelé, 25 jours de congé et 18 jours de RTT. Donc, il est écrit qu'ils gagnent 2 jours, certes, sauf que le calcul des RTT exclut les jours d'absence, maladie, maternité, etc. Donc, dans certains cas, en fait, l'agent est perdant. Voilà, c'était juste une relecture un peu plus complète, en fait, de ce qui est du protocole. Ce qu'on a compris, c'est que, en la matière, la ville se met en conformité avec la réglementation. Donc, on n'aura pas d'autres commentaires. Voilà. Mais néanmoins, pour la grande majorité des agents de la ville, ils vont pouvoir bénéficier de 2 jours de repos complémentaires par an, pour ceux qui sont présents sur l'ensemble de l'année, sans absence. Voilà, donc nous procédons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à ce protocole temps de travail? Unanimité. Je vous remercie. C'était la dernière délibération de...